Hey, salut à tous, c'est Adrano Jansou pour le premier épisode de Muramasa The Demon Blade. J'espère que vous allez bien. Vanillaware, exactement, c'est ce qui nous intéresse. Alors, découper facilement les ennemis. Donc, soit on joue en Musso, soit on joue en Shura. Shura. Allons-y. Sans aucune retenue. Alors, l'histoire de Momohime et l'histoire de Kisuke. Bon, on va commencer par celle de Momohime, puisqu'elle est à gauche, ce qui est donc une invitation à la prendre en première, n'est-ce pas? Comment ça, c'est totalement débile ce que je dis, c'est pas vrai? Le pandémonium de Demon Blade. Très bien. Ah, même pas d'intro, c'est Gami, route de la montagne du je sais pas quoi. Dacticiel, tu vas apprendre à contrôler ton personnage. Très bien. Oui, quand même, s'il vous plaît. Alors, je joue avec le combo Wiimote Nunchuck. Sauter. Ah, je déteste quand c'est ça pour sauter. J'annonce. Ok, je peux planer. Alors, on peut jouer à la manette classique. On peut jouer à la manette classique, à la manette GameCube, au combo Wiimote Nunchuck. Mais comme j'enregistre sur Wii U, eh bien, j'enregistre... avec Wiimote Nunchuck, voilà. J'aurais bien aimé qu'il qu'il fasse passer le manette classique pour un manette Wii U Gamepad, mais apparemment. Pour un Wii U Pro, pardon. Ok. Donc, résumons. Ok. Ok, en plus, ça fait un petit dash. Allons-y, si un ennemi est au sol, tes attaques normales ne l'atteignent plus. Ok. As-tu compris? Un défourage puissant. Ok. Mais parce que dans le dictyl, ils disent pas quand est-ce que t'as la main. Tu ne perds que pour mes ennemis envoyés en l'air. Ah ouais, je peux dash. En fait, ça fait un dash aérien quand t'as un courant. Oh, cool. Dans ce crédit, le pouvoir de l'âme du katana comme indique la partie supérieure du centre de l'écran. Lorsque l'indicateur est trop bas, très bien. Oh. Les arts secrets diffèrent en fonction du sable. Lorsque tu récupères une nouvelle arme, n'oublie pas de révéler son art secret unique. Très bien. Ça utilise ma barre d'en haut. Lorsqu'un ennemi te lance un objectif, reprends l'objet pour le repousser dans l'armée de ton adversaire. Ok. 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 Bon, c'est pas trop compliqué. Lorsque tu pars, tu utilises du pouvoir de l'âme de ton arme. Ok. Je pense qu'il va me faire casser. Ok, je suis stun. Il faut savoir qu'il se brise. Ah, ok. Tu dois le remettre dans son fourreau. Pendant le temps de restauration, tu peux utiliser notre arme pour attaquer les ennemis. Ah ouais, j'ai un sabre cassé. Avec un change de sabre, ça fait une super attaque. Il te faut ensuite un moment pour le recommencer. D'accord. Attends. Fzoung. Ok. Happy est une puissante technique qui attaque l'ennemi à l'écran. Très bien. Wow, j'ai une jolie épée là.
pour voir ce que tu as pris, Ball Type Ninja. Je sais pas pourquoi je continue à le taper alors qu'il était mort, mais... Tu as gagné! À la fin, tu reçois de l'argent et un bonus XP. Très bien. Tu regagnes aussi de l'arme. Quand même un peu de feu vital. Tu risques de ne pas pouvoir l'utiliser... Ah, ok. Tu risques de... Non, c'est pas dessus. Tu parcours ce niveau depuis le début. Il peut être qu'il y a assez d'objets pour bien son été play, blablabla. Très bien. Non, merci, ça ira. Merci de votre coopération, mes chers développeurs. Ok, donc, on arrive cache d'un jeu, on a aucune idée de... Aucune idée de ce qu'il faut que je fasse. Détruire les barrières pour atteindre la route principale, très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Putain, j'ai plus de Super Smash Bros. Brawl, donc j'ai plus sur C pour faire un saut, mais en fait ça marche pas du tout. Donc on va prendre un taille, hop, hop. En récupérant les armes dispersées sur la roue, tu pourras bien se voir là. Ok, y'a plus rien. Donc qu'est-ce que c'est que Muramasa The Demon Blade? C'est un jeu développé par VanillaWare, excusez-moi. C'est un jeu sur l'époque Edo du Japon, dans lequel on va suivre les histoires de deux personnages, la 1. Moïme et un autre perso dont je complètement zappé le nom. Et en gros, c'est une histoire qui est liée avec Muramasa, le forgeron de l'époque Edo qui faisait des sabres maudits, tout simplement. Shwing! C'est vrai, ils sont morts. Tu as gagné! Ok. Donc c'est un beat bémol comme vous pouvez le voir. Lorsqu'un panier. Attends. Examinez. Balle santé, très bien. Attendez, est-ce que c'est par là au moins? Si je suis plus sur Z, vous voyez que j'ai une petite carte. Y'a rien de secret ici? Y'a rien de secret. Hop, on s'en va. Tain, c'est dommage que j'ai enregistré sur Wii U, j'aurais vraiment aimé. J'aurais vraiment aimé faire ce jeu avec la manette GameCube. Oui, avec le pad game, pad pro d'ailleurs. Alors, je sais pas ce que c'est que cette flamme en haut à gauche. J'ai totalement zappé. Long S, ok. Donc pour l'instant je ne suis pas trop renseigné sur le jeu. Parce que j'ai essayé d'être le moins spoilé, mais je m'intéresserai moins à l'histoire histoire de vous raconter des anecdotes. Comme d'habitude. Le but est de vous faire de vous raconter des trucs histoire que c'est quand même un intérêt que je fasse cette aventure. Et oh, combat! Mais j'ai l'impression d'être bon tellement je... Combo de 41, j'ai trop l'impression d'être bon. Ah mais ça doit être ma barre de vie en fait. Exactement, c'est ma barre de vie. Oh. Ouh, ce sont des super samouraïs. Merde. Oh merde. Ah j'ai cassé leur garde je pense. Faut faire attention, j'ai plus rien du tout. C'est quoi ça?
bouteille bambou, je suppose. Ça m'a rendu ma... ma vie. Ok, donc enfin, enfin je m'y fasse alors. Alors en haut à gauche c'est donc ma vie. Le 138 sur 136. Enfin 136 sur 138 plutôt. Défouraillage, shrink. Oula, il y a le petit. Oh. Putain, par contre ma vie descend à une vitesse. Il va falloir que je fasse attention. Ou que je jette pas d'objet de soin. Attendez, hop, voilà, ok. Et en même temps je regarde s'il n'y a pas des objets cachés, vous voyez alors des. Le petit truc qui indique qu'il y a un objet caché. Shrink. Hop, shrink. Bon, c'est assez rigolo à jouer. Par contre, je pense vraiment que je suis pas très bon en esquive. Je prends plutôt cher. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Hop, je l'ai. Je me souviens de suite parce que le temps que je m'habitue au gameplay, on va dire, je vais prendre sûrement très très cher. Ah, mon chat. Qui va foutre un bin, c'est pas possible. Alors attendez, parce que là, dans la situation, je protège mon matériel. Parce que mon chat a tendance à sauter dessus. Voilà, exactement comme tu viens de faire, espèce de conne. Merci, c'est très 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 agréable de ta part de me visiter, ma chère bijou. Elle est partie. Voilà, excusez-moi. La dernière fois, elle a failli casser ma manette. J'étais dégoûté. Commence à s'ouvrir, j'ai dû sortir un vis. La dévisser et la revisser. Hop. Oh, je suis bientôt arrivé à l'objectif. Hop là. Hop là. Là, vous êtes dans le combo. Shrink. Niveau sup, niveau 2, ta 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 ta. Shrink. Et là j'ai pas pris de dégâts. Oula. 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 Poste de contrôle. Les lieux minimum bleus, tu peux sauver ta nature, récupérer du feu vital ou du pouvoir de l'âme. Tu te trouves sur la voie principale avant les moments importants comme les combats. Très bien. Sauvegarde, shrink. Ouh. Boss, un puissant boss t'attend dans la zone suivante. Vérifie que tu es prêt pour le combat avant d'entrer. Veux-tu réellement continuer? Oui. Chouing. I'm ready to fight. Sagami, cimetière Kamakura, Rotoku Kenzan. Ah, hâte. Mi-oboe no nai sabishii tokoro sha na. Senaka kara suppari to kesagake ni kirareta to omou da ga. 不思議なことに怪我一つしておらねば、わしもついておる。あれは確か縄文前、雪の城様に狼藉者が突然切りかかり、思わずこの身を立てとかばって倒れたはずが。ここはなんというところやら。あの世なら、せめて迷わぬように誰ぞに問いたいものじゃな。 Parlez, parle au personnage dans les alentours pour récupérer des informations. Jinkuro. Ono kekkai wa kuni jū ni harare. Jinkuro. Okoi mo yuken. Akunyaku mo dō no bachi atari. D'ailleurs, c'est un point important. Est-ce que vous voulez que je fasse les doublages français ou est-ce que je les laisse parler avec leur voix japonaise? Jinkuro.
Très bien. Rankai. L'âme de Jin Kuro a dû quitter ton corps. Oh. Oula. Oula. Pété. D'accord. Donc on est possédé par ce petit truc là. Le moine bleu. Ouch. Clair de lune. Oh oui, mon sabre. Oh d'accord, il a plusieurs barres de vie. Ouch. Donc ça c'est un sabre plutôt lent. Ah mais il est cassé celui-là, ça. Ah non. Désolé, je parle pas beaucoup, mais premier combat donc. Chouing. Oups. Chouing. Oula. Ouch. Hey hey, salut. Chouing. Clair de lune. Twink. Hey. Niveau sup. J'adore, chaque fois qu'ils font je kiffe.
Asebe Kushinige Aki. Avec ce sabre blanc, tu peux détruire les barrières rouges. Oh. してやられたわ。桃姫の魂が見当たらぬ。術が破れたからには桃姫の魂に何があっても、この肉体の命が危うい。あれ、すぐにも追わねばならぬというのに。グズグズしおって攻撃め。まだこのか、黒源は塔に過ぎておるのに。 いつもながら狐とは思えぬ見事な化けっぷり。だが、待ちくたびれたぞ今月。申し訳ございません。遅れましたのは感動参道に張られた結界を避けるのに大回りしたために。ございます。佐賀野からは帰り道。あ、越後、depuis Sagano。北に。Puis Ida, puis Shinchu。あ、これ、これ、パス。ええ、もうよい。お前の話はいつも長すぎる。Shinchu? Comme Naokami? Ce masque Okina contient l'esprit du fabricant d'été Senji Muramasa de Sheishu. Un sabre démon. Demandant la force à Muramasa. Elle a une voix plus grave quand elle est possédée par l'Atra. Oh. Les renards parlent. Oh. Toi, t'es amoureuse. Bozra wa michi toyu michi ni ami o hari nigasanu tsumori rashii ga, Shinma ryōdan no Muramasa ga areba, kekkai nado mono no kazu dewa nai. Nani wa sate oki, ima wa isoganeba naran. Hakaba no dōde omae o matte oru aida ni mendō na koto ni natta. Tōkaidō yori tsukimatotte ita Rankai toyu bozu ni 玉打ちの術を破られ、肉体の元の主、桃姫の魂を取られた。あやつの口ぶりでは、箱根を越え、江戸に下る算段であろう。居所を探せ、金菊。魂に何かあれば、わしが死ぬ。そんなことにはさせません。お任せください。 Très bien. Matériel. 3 sabres. Là, je suis pas sûr d'avoir ça. Alors, attaque 14, attaque 12. Forgé. Je suis Senji Muramasa. Donc, pour remettre un peu dans l'époque, Muramasa était un forgeron de l'époque Edo, si je ne me trompe pas, qui était connu pour faire des sabres qui portaient malheur en fait. Ceux qui possédaient ces sabres, il leur arrivait forcément une connerie. Voilà. Et apparemment, notre personnage, donc celui qui possède Momohime, dont j'ai oublié le nom déjà, ça commence bien,
Ginjuro, je crois, voilà, peut utiliser ses sabres sans contrepartie. Grâce à son style horrible. Pour ça, il te faut des âmes des ennemis. D'accord. Oh, alors attendez, c'est quoi tout en bas des... Ouh là là, attendez, mais l'arbre est clairement trop grand là. Comment je fais pour m'y retrouver? Long S. Attaque 99. Je dois peut-être déjà l'avoir. Tu n'as pas le bon sabre pour rejeter cela. Botan Muramasa Aki. Oh, je vais en avoir plein. Ayame Muramasa. Attaque 33. Ah, je peux pas encore. Il me faut ce sabre qui est attaque à 99. Cool. Attendez. Non, je me trompais. Pardon. Désolé. Matériel. Donc les lance-sabres. Ces attaques qui font des très longues attaques. Du coup là j'ai 3 super sabres je crois. Foudre x2. Très bien. Bah vous savez quoi, je vous propose un épisode court pour commencer. Déjà dites-moi si ce jeu vous plaît. Le lundi sera un peu le lundi et vendredi sera en fait sera let's play japonais entre Killer is the 2 et Okami et Muramasa. Bon, mon Okami est terminé mais ça remplace, mais Muramasa le remplace. Mais en tout cas j'espère que cette aventure va vous plaire, donc laissez-moi vos questions, genre est-ce que vous voulez que je double ou est-ce que vous préférez que je mette ça en un genre pour les textes un peu optionnels dans les phases de dialogue. Est-ce que je me tais? Est-ce que je double? Est-ce que je me tais pas mais je double pas? Mais voyez, enfin, bref, je vous laisse décider un peu comment on va procéder pour cette aventure. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 2 de Muramasa Demon Blade. Je prononce ça comme une merde. J'essaie de donner un style japonais mais c'est pas du tout le bon. Mais bref, je vous retrouve très prochainement. Je vous dis ciao les gens.